Yuki. Yuki. Ah si. Alors moi je suis comédien et humoriste aussi, je suis chrétien mais je suis aussi humoriste, on peut être chrétien et être humoriste aussi. Ouais. Donc du coup, t'es qui toi? T'es qui toi? On se fait interviewer, c'est trop marrant. Ça devait être super drôle. Il ne parle plus. Il est muet. Trop drôle. On parle des sites de rencontres. Ah oui, oui. Ouais. Vous connaissez? Non. Oh putain. Quoi? Ah moi j'en ai un. De quoi, des sites de rencontres? Non mais j'ai des anecdotes si tu veux. Vas-y, on t'écoute. Alors, il y a une semaine, j'étais sur un site de rencontres. Ah oui, c'est une anecdote très récente. C'est des trop récentes. Donc même du coup, un t'es encore sur les sites de rencontres là? Non, j'ai enlevé maintenant. Ah, depuis une semaine? Depuis deux jours. Ah oui, d'accord, tu vas remettre demain. Oula. Oui. Moi je dis qu'il faut d'abord réfléchir avant d'agir, sinon tu vas mourir de rire et tu passeras dans un moment de rire. Ok, j'aime bien. Nous on parle des sites de rencontres. Ah oh, vas-y, chaud. Moi, t'es en couple déjà? Marié? Non, j'ai personne. Ok. Tu cherches? Ouais, je cherche. Tu cherches quoi? Un mec riche. Direct? Riche, direct. Tout est très précis en fait. Un arabe riche, direct. Pourquoi? Pourquoi pas? Ouais, cherche toi. Un arabe riche, direct, non? Pas tout un à arabe. Fait. Riche? Ouais. Peut-être. Qatari? Sympa. Sympa. Tu vas où? Là, je vais prendre un vélo là en Tespie. Pour aller où? Je sais pas, aller en tour. En tout seul, vélo. En vélo. Non, c'est la Fashion Week, tu connais, mon collègue il est là-bas. Toi t'es dans la Fashion Week toi? Ouais, je connais. Tu fais quoi? Là avec Kim Kardashian. T'étais avec Kim Kardashian? Ouais. Où? Elle était là-bas, un resto là, plus loin. Mais quoi, t'étais avec elle? Non, j'étais pas avec elle, avec elle. Ah, c'était au resto quoi. Mes collègues, ouais, tu connais, ils sont là. Non, je connais pas. Ouais, je connais. C'est-à-dire tes collègues, ils étaient avec Kim Kardashian? Ouais. C'est vrai? C'est ouais. Qui tes collègues? C'était photographe. Ah, toi t'es vraiment dans le milieu... Un peu, ouais. La Fashion Week, quoi. Je dirais, c'est ça. Hein. Donc, ton gars, il est quoi? Il est dans ta classe? Il est dans... Pourquoi tu veux savoir? Mais parce que ça m'intéresse, là. Mais je l'ai pas rencontré. Toi, ça t'intéresse pas du tout, cette interview. Hein. Si. Vous sortez avec qui, là? Avec... Toutes les deux? Avec des amis. Qui vous attendent là-bas? Ouais, je fume juste et après on toi, va. Tu snaps tout le temps. Incroyable. Allez, elle refait un snap. Qu'est-ce qui se passe? On est où aussi? Mais tu l'as déjà fait, celui-là, non? Non, tu l'as déjà fait? Il me semble. Non? Je l'ai repris. Ah, tu l'as repris. J'ai mis Johnny Hallyday. Vous avez vu Johnny Hallyday? Non, j'imite. Ah, vous imitez? Ah, vas-y, allez-y. J'imite Johnny Hallyday de Laurent Gérard. Ok. Ah, vous imitez Laurent Gérard qui imite Johnny Hallyday? Oui, j'imite le Johnny Hallyday. C'est beaucoup d'imitations, allez-y. Bonjour, je ne comprends rien de qui. Ah, Pierre Lanoé. Le premier, c'est copié de Jean Dassin. Oh, c'est Pierre Critagor. Waouh! Ils ont ressorti, ils ont débarqué. Qu'on n'a pas vu depuis Jean-Luc. Ah, ça fait couper le cheveu. Encore ma gueule! Oh, qu'est-ce qu'elle a ma gueule! C'est bluffant. Oui. T'es en couple? C'est compliqué. C'est-à-dire? Compliqué. T'es en couple ou t'es pas en couple? Oui et non. C'est ou oui ou non, je crois. Comme tu veux. Comment tu fais pour trouver des meufs? Hein? Pour trouver des meufs, tu fais comment? Je connais, on est là, hein, dans la rue, voilà, on rentre bien. T'accostes? Même pas, mais des fois, tu. Ah, la situation, elle est là, tu vois, elle se présente, piouf, tu sautes. C'est-à-dire, piouf. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Et là, qu'est-ce qui va pas? Je peux même pas te dire. Ah ouais? C'est inexplicable. Tu sais pas? Ça bloque, c'est comme ça. Et tu l'aimes vraiment? Ah, je suis pas sur quelle chaîne là? Non, sur YouTube. YouTube? Ça va. Ouais, je l'aime. Ah, ok. Sur notre chaîne, tu l'aurais pas aimé? À la lune, j'aurais pas aimé. Ok. Et vous faites d'autres personnes? D'autres personnalités? Ah, écoutez, en tant qu'expression. Chirac, c'est Chirac. Voilà. Ah, venez, on fait un jeu et vous imitez, moi je devine. Oui, si vous voulez bien. Allez-y, je veux bien. Et... Mon cher oui. J'étais ancien président. Mitterrand? Ah ouais? Oui. J'ai dit au hasard parce que tous ceux que je connaissais, ils étaient pas dedans et du coup je me suis dit c'est Mitterrand. Écoutez, hein. Je suis là. Ah je l'ai pas, attendez, refaites. Écoutez. Je vous présente des élections. Faites un peu plus de phrases. Écoutez, je me présente aux élections bientôt. Je l'ai pas. Sarkozy. Ah, c'est Sarkozy. Oh, Adrien, c'est moi qui. Adrien. Attendez, il y a trop de rythme là, c'est qui? Stallone. Ah ouais, non, ça va trop vite. Beaucoup trop vite. Je suis pansexuelle. Ah, c'est quoi? C'est que je peux sortir. Enfin, je peux. Oui, je peux sortir avec la personne que j'aime, qu'elle soit trans, non-binaire. Ah ouais? N'importe. C'est la personne qui m'intéresse, okay. Pas son sexe. Et t'as déjà fait tout alors? T'as déjà fait. Oui. Et alors, tu préfères quoi? Femme ou homme?
Oh non. Mais vas-y, c'est tous des bâtards. Désolé, hein. Ouais, pas de soucis. Si tu veux, tu peux être une femme pendant 30 secondes. Non, ça ira, merci beaucoup. Ah d'accord, ok. Tu veux pas être une femme? Non. Pourquoi? Parce que je préfère rester dans mon domaine, quoi. Ouais. Ah d'accord, ok. Hi. Hello. Hello. J'aime bien. Ah, japonais. Ah, japonais? Yeah. Where are you from? Japan. Alors, je parle japonais, mais par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, vous parlez pas japonais, du coup? Si, mais je connais pas la traduction, parce que... Ah, vous pouvez pas parler japonais si vous connaissez pas la traduction. On peut... si, les, je retiens les mots, mais après, je sais... Ah oui? Voilà, je retiens les mots. Ouais. What's your name? Chien. Chien, ok. Ah ok, ah ok, ah vous faites, oui d'accord. Yeah, yeah, d'accord. Ah oui, il fait du saxophone, non c'est le poil, tout nu en fait. When? When? When I see that? Maybe, almost every day I do it, like in front of Pompidou. Ok. Yeah. Now it's impossible to do this. No, I don't have a paint. Oh là, je suis très gêné. Très mauvaise idée, hein. Catastrophique, chien. La police, pour l'instant, ça va. Visage, the face. Ah ouais, direct, ok. Du coup, sur les sites de rencontre, tu mets quoi comme préférence? Vu que tu fais tout le monde. Bah, je mets tout. Tu mets tout? Bah oui, il y a le truc, quand ils te demandent, ils disent pas de préférence, un truc comme ça, pas de genre. Okay. Putain, t'as des mecs et des meufs qui arrivent. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Quoi, tu interviewer un peu les gens? Bah, vas-y, interview, ouais. Ah, je peux faire? Alors allons-y, on va... Bonjour. Wow, non, très mauvais choix. C'est compliqué, les relations hommes-femmes aujourd'hui, c'est très compliqué. Tu sais, avant, quand tu te mettais avec quelqu'un, il n'y avait pas de problème, c'était fuite. C'est tranquille, mais aujourd'hui, tu dois cravacher tous les jours, tu sais, pour que ça se passe bien. Et c'est à cause de quoi, tu penses? Bah, je sais pas, il y a l'environnement, il y a la tentation, il y a... Il y a plein de trucs. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé... Alors vas-y, passe une annonce. Vas-y. T'as quel âge? Alors, j'ai 18 ans, j'ai toutes mes dents. Sauf une parce que je l'ai cassée. Ah merde. Turn. Ok, perfect. Ah ouais, ah, il est beau gosse. Ouais, très beau gosse en fait. Ouais, t'es beau gosse. Non, c'est bon, arrête de toucher, t'es beau gosse, gros. Tu te trouves beau? Un peu, hein. On dirait, hein. Stylé. Toi, tu t'es beaucoup dragué. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis normal, hein. Je fais rien. Tu veux voir sans la casquette? Non. Non, ok. Jamais j'enlève la casquette. Ah ouais? Non, je suis sûr. Calvitie? Non, c'est même pas ça, je me rase la tête complètement. Ouais, calvitie, même ouais. Si avec la calvitie? Non, même sans la calvitie, je me rasais déjà la tête. Oui, calvitie, ouais. Pas de soucis, moi aussi. Je me rasais déjà la tête avant. Non, non, mais quand t'as des cheveux, tu te rases pas la tête comme ça. Et calvitie, c'est un signe d'intelligence. Bah, donc calvitie. Tu commences à y venir là? Non, pas calvitie, boule à zéro. Vous avez jamais été marié? Oh là, j'ai été marié 22 ans. Et alors? Et alors? Terminé. Terminé. C'est vous qui l'avez écrit? La première femme qui me dira oui. Après, je sais pas si je dirai oui. J'ai pas compris. Si la première femme qui me dit oui. Après, je veux savoir beaucoup de choses sur elle, hein, avant de dire oui. Toujours pas compris. You don't speak French, hein? No, not at all. Je m'appelle Louise, that's it. Ouais, très léger. Non. Hein? That's all the French I know. Pas compris. Si elle me dit oui, après de l'autre côté. Après je vais savoir beaucoup de trucs sur elle avant. Avant de dire oui. Avant de dire oui. Ok. Ah oui, parce que vous savez pas où vous allez, hein, après. Ah oui, après on se retrouve avec. On peut se retrouver. Avec des maladies quoi. Des maladies, on peut se retrouver. En prison, on peut se retrouver. Mort. Voilà. Mort, voilà, c'est vrai. Il faut réfléchir avant de dire oui. Ah, il faut dire oui, il faut être sûr que c'est la bonne. Ouais. J'aime bien tout ce qui est genre skater, habillé large, okay. Fatigué, très fatigué. Ok, très sale et tout. Ouais. Pas sale. On va doser quand même. On va doser. On veut pas les crados. Mais fatigué. Ok, c'est-à-dire fatigué. Genre fatigué cerné. En mode, il a des énormes cernes, elle a des énormes cernes. C'est fou de faire homme et femme, mais vraiment d'avoir des restrictions comme ça qu'il faut qu'ils soient cernés. Du genre, qui fume tellement de clopes que genre la prochaine, il clabs. Ah ouais, c'est un très mauvais plan. Ouais. J'ai un mauvais goût, en fait. J'ai un goût de merde. Ouais. Combien d'enfants? 4. Une fille. Ah, mais tu lis dans les pensées, toi. Ouais. Dommage que je sois pas riche, hein. On était pile synchro sur tout. T'es arabe? Non plus.
T'es qatari? Je peux devenir qatari. T'es tunisien? Non plus. Italien. Ça, c'est pareil. Ça rentre pas dans ta trilogie, non, désolé. Tu ressembles à... Ouais. Un qatari? Non, pas du tout. Pas du tout. Un arabe. Un arabe. Ok. Okay. T'es frais, toi? Comment c'est que t'as pas de meuf? Je connais. T'es compliqué? On se concentre sur l'état. Ouais, je suis compliqué aussi. Pourquoi? Je sais pas, on dirait... Les meufs, j'arrive pas trop, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as de compliqué? Je sais pas. Est-ce que t'es pas trop beau? En fait, je crois que les go, elles ont peur de venir m'accoster. Pour c'est vrai? Ouais, en fait, de vrai. Je vois tout le temps, ça me regarde, mais ça va jamais ça vient parler. Pas direct, ouais. C'est compliqué. Mais y a un mec qui te plaît, est-ce que tu l'interpelles? T'attends? Non, bah voilà. Moi, je pourrais pas. Ah ouais. C'est à lui de venir. Du coup, s'il vient pas, Bah, c'est destin. Un autre, peut-être. Il y en a plein, des hommes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Plein d'arabes. Surtout en France. Avec tous ces... Allez, on va y aller. On va y aller. Et t'es mannequin pour des grosses marques ou pas? Même pas. Genre ça me saoule parce qu'il me dit que je suis trop grand. Mais là, je. Est-ce que t'es pas trop beau pour être mannequin? Bon, ça, je suis pas certain de ce que t'avances, mais je pense que la taille, c'est un grand avantage aussi. C'est un désavantage? Ouais. Pourquoi? Parce que là, je suis trop grand en fait. Viens, on te scie les pieds. Hein? On te scie un peu les jambes. Ouais, je voulais enlever une partie de mon tibia. C'est vrai là. Zidane, vous savez faire Zidane? Non, je sais pas faire Zidane. Quel joueur de foot vous savez faire? Là, je le connais lui, il me laisse pas dormir. Ça va? Je regarde tes vidéos. Non! Je te jure, tu me laisses pas dormir. Viens jouer au jeu, il fait des imitations, tu dois deviner qui c'est. Ah, bah, je suis en retard au travail, c'est pour ça. Ah, quel travail? Travailler à une nouveauté juste ici. Bon, ça va bien. Regarde. Ouais. Fais une imitation, tu dois deviner qui c'est. Bonjour, c'est Jolie. Ah, j'ai des copains, rien de cul. Pas mal, hein? Aucune idée, pas mal, mais si, aucune si, idée, si. C'est qui? Balance un blaze. Ah, bah. C'est Johnny D. Il l'a quand même dit dans l'intitulé de l'imitation, quoi. Ah ouais, t'es fort. Est-ce que vous utilisez des sites de rencontres? Non, pas forcément. J'ai pas entendu. Des sites de rencontres? Site de rencontres. Ouais. À peine, tu utilises à peine. Ouais, je tease à peine. Ah, et t'aimes bien à peine? Ouais, j'adore. Attends, là, c'est trop forcé. Ah. Turn. Wouah, turn. Ok, ok. Yes, perfect, perfect. Okay. Visage, yo. Hop. Perfect. Franchement, les hommes sur les sites de rencontres... C'est pas la folie. Il y en a, faut se poser des questions quand même, hein. Genre quoi? Bah, ils sont là, ils t'envoient direct, libre pour un plan cul ce soir. Ça te plaît pas? Bah non! Toi, tu recherches l'amour? Mais oui! Okay. J'ai mon copain, ça fait un an. Non, grâce si à ça? Oui. Tu l'as rencontré sur quoi? À peine, je crois, ou Tinder, je sais pas. Jure, c'est à peine? Jure, ta mère? T'es de ma mère. C'est vrai? Oui. Ah tu sais que c'est une vidéo oui qui est sponsorisée par à peine. non, c'est vrai ou pas? Jure. Je te jure. Incroyable, vrai. Ça fait combien de temps que t'es avec? Un peu plus d'un an. Vas-y, rapproche-toi de Kylie Jenner, tu vas raconter cette histoire. C'est le truc où tu te rencontres, tu te croises et tu rencontres les gens que t'as vraiment vu dans la vraie vie. Enfin, que t'as croisé dans la vraie vie. Exactement. Tu l'avais croisé, tu te rappelles où? Non. Ok. Non. Et bah, du coup, après, on s'est donc parlé. Donc là, ça a crushé. Voilà. Et après? Et après, bah, là, c'est l'amour fou. C'est vrai, vraiment? On emménage ensemble. Mais non, c'est vrai? Comme quoi? Comme quoi, téléchargé à peu. Je finis mes études. Voilà. Avec Kylie Jenner, dis avec Kylie Jenner. Avec Kylie Jenner. Elle est sponsor, elle sponsor. I'm proud of Apple with Kylie Jenner. And it's gonna work so well. You can't imagine. Incroyable. Si je fais. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et la mer, elle m'a pris, c'était un jeudi. Où est-ce qu'on peut s'incruster ce soir dans une soirée un peu fashion là? Ce soir? Ouais. Soirée Victoria Beckham? Oui. Ouais, soirée Victoria Beckham, oui. C'est là tout de suite. T'es là chaud? Ouais. Let's go. Allez. On y va? Vas-y, viens. Non, c'est vrai ou pas? Mais on peut rentrer ou pas? Après ça, tu... C'est quoi? Tu connais, faut... Mais comment, faut quoi? Faut passer en... Hein? Vous connaissez personne? On connaît personne. Ah bah frérot, moi aussi je peux te dire qu'il y a une soirée Victoria Beckham mais que je connais personne. Ouais, mais si tu veux rentrer, faut... Mais là, comment on va rentrer avec la caméra et tout? On fait quoi? Comment tu viens? Tu... Émilie. Ah, j'aime bien. Bonjour madame, j'apprécie votre style vestimentaire. Ah, j'aime bien les petits messages comme ça. Merci beaucoup monsieur, je vous reverse ce compliment. Je vous reverse ce compliment. Voilà, renvoie quoi. Ça se dit pas du tout, je vous... Attends, ça se dit? Je vous renvoie. Je vous retourne. Ouais, c'est vrai. Je te renvoie quoi. Je vous reverse, non, elle reverse, vraiment ne parle plus elle. Hein. Je vous reverse ce compliment, mais c'est quoi ça? On va se faire recadre là. Non, mais là, tu parles même pas. Ah, je rentre. Tu rentres. Ah, nickel, j'adore ça. Tu marches tout droit avec les caméras. Comme ça. Ouais, y a des caméras. Ok, j'ai capté. Et si tu te fais recaler, c'était le destin. Voilà, c'était le destin, nickel. Vous faites quoi dans la vie, DJ? Moi, je travaille chez les comptables. C'est-à-dire? Je fais la. T'es expert comptable? Non, je fais la restauration. De quoi? Dans la restauration ou chez les comptables? Non, chez des comptables. C'est des comptables et tout, la restauration, comptable, avocat, tout. Je travaille à la défense. Est-ce qu'on peut faire un petit un débrief, truc en mode... Un débrief? Non, non, non. Ah, ok. Non, fait... Allons-y et après on leur demande à eux. Bah, okay. Ah, des transitions, ok. Ah, non, on fait des transitions, non. Ah, deux, trois. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, elle a une petite tournure là. Là, on va finir vraiment avec le gratin.
Là, je comptais rentrer chez moi, là, mon Dieu. Si on n'est pas avec Kim Kardashian à la fin de la soirée, c'est qu'on a tout raté. Hein. On va essayer, en tout cas. C'est vous qui voyez, comme dit... C'est qui, ça? Non, c'est pas une imitation. Ah, je croyais que c'était une imitation. C'est une presse. Okay. Vous connaissez les chevaliers de la presse? Ouais, pas assez bien avec, non plus. Avec Baïkosambi en chef de gare, ils disent, c'est vous qui voyez. Ok. Et des fois, je prends des blagues... Comme ça, des autres? Oui, oui, oui. C'est pas une blague de fou, ça. Hein. Non, c'est pas une blague de fou. Eh, je commence à être moins fluide dans mes mouvements, les gars, je vous avertis. Hein. Waouh. Même dans la merde parler, là, je commence à être un peu stressé. Là, c'est à toi de jouer. Là, à gauche, direct, ouais. Ça va, enfant, bien. Tranquillement, tu vas? Ouais, là. Oui. La caméra, ah merde. Parce que là t'as pas le droit de filmer parce que là il y a des VIP. Mais non. C'est des gros VIP et ils veulent pas de caméra, ils veulent rien du tout. Oh là. Donc reste dans la zone là-bas, s'il te plaît. Bon, c'était pas mal, c'était une bonne soirée. En vrai de vrai, si t'avais pas les VIP, tu serais rentré. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, s'il y avait pas de soirée, je serais rentré aussi. Oh là là. Eh, ça a toujours été mon rêve de montrer sa bus discothèque. Venez tout de suite. Incroyable. Pas tout le monde, Louis. Non, 4, on est à 4. On est à 4. On est à 4. Non, on est dans un bus très mauvais. Mauvaise idée, voilà. Je trouve que l'idée n'est pas la bonne, ce n'est pas adéquate au lieu. On est dans un bus. C'est quoi là? Une bouteille d'eau. Ah ok. Je croyais que c'était un pistolet. Non, une bouteille d'eau. Je suis rassuré. Ça va? Ouais. Non, on rend pas la violence par la violence. Jamais. On n'a pas le droit de tuer les gens. Ah ouais, ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Ouais, il faut le retenir. Voilà. Tu te bagarres jamais? Ça dépend. Ah, tu vois, de temps en temps. Une petite, quoi, qui part comme ça. C'est très rare. Non, c'est vrai? Non, c'est très très rare. Il faudrait que le mec, il pousse vraiment, quoi. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu peux taper quelqu'un? Il faudrait que le mec, il me gifle. Mais tant que tu me touches pas, je riposte pas. Là, si je t'en mets une, tu vas me frapper? Non, non, pas la violence, pas la violence. Et tu vas pas me mettre une gifle, je t'ai rien fait. Non, mais comme je voulais tester, quoi. Bah, même si tu me mets une gifle, je rends pas. C'est vrai? Ouais. Ah, j'adore. Donc là, je peux te gifler, tu feras rien. Tu peux me gifler, je te ferai rien. Ah, ça me gêne. Mais j'ai quand même envie de te gifler. Bah, gifle-moi. Oui, je sais, mais bon, comme on dit, dans mon front, il n'y a pas marqué yaourt. Ça, c'est la blague troll. Il n'y a pas marqué yaourt. C'est une blague de qui? C'est la mienne. Ok. Oui, parce que je fais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas marqué idiot. Il y a marqué quoi? Tiens, bah, il n'y a pas marqué idiot. Yaourt? Oui. Idiot? Oui. T'as de la force? Un petit peu. Mais un coup de poing. Et je peux te faire les deux, coup de poing et gifle. Comme tu veux. Là tu vas. Ah ouais, putain, t'es. Vas-y. Mais tu me rends rien parce qu'après, si c'est pour me frapper, moi ça me fait pas du tout. Tu bouges même pas. Tu bouges même pas. Vas-y. Là tu penses que je vais te frapper, tu vas pas reculer. Tape. Voilà. Et tu peux gifler. T'as vu? T'as reculé quand même. Hein. Tu peux gifler. Et je peux te mettre une vraie gifle. Ouais. Vas-y. Je te mets une vraie gifle. Vas-y. Non, ça me gêne. Alors, en fait, j'ai peur que tu me retournes. Si tu t'énerves là, tu vas pas t'énerver. Non. Vas-y, enlève les lunettes, je vais te gifler alors. C'est la terre entière. Mets-toi droit, Caron, pour que je. Ah, tu vas me marquer. S'il te plaît, non, je te marque non, pas, promis, je te marque pas. Non, arrête, j'allais gifler, j'adore ça. Non, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. En plus, t'as de la force. Ah, t'as vu? Parce que toi, tu pensais que j'étais un trou de balle. Non, t'as de la force. T'as vu? Parce que t'en as des plus balèzes que toi, comme ça, d'un qui me tape. Et là, j'ai pas tapé à 100%. Je t'ai dit, t'as des plus balèzes que moi qui me tapent de toutes leurs forces, ils ont pas autant de force que toi. Comme quoi, tu vois. Mais tu sais que ça n'a rien à voir avec les muscles, la force. C'est la puissance que tu mets dans le coup de poing. Je sais pas, mais le mec, il est baraque comme ça. Bon, vas-y, enlève, je te mets une petite gifle et je te marque pas. Ah, le kiff! Vous l'avez rencontré où, votre femme? À l'île Maurice. Comment ça s'est fait? J'avais une usine là-bas, je travaillais pendant 6 ans. Ouais. J'étais à Paris, j'ai quitté Paris pour aller là-bas. Et puis j'ai rencontré, on s'est marié là-bas. Vous êtes rencontré à l'usine? C'était la famille, c'était dans les entourages. C'est-à-dire, c'était la famille? C'est quand même une cousine, mais des lois. Ouais. C'est une cousine? Ouais, c'est une votre cousine. Votre femme? Oui. Quittez-la alors. Ouais. Ouais. Vous avez raison. Vous êtes connu depuis combien de temps là? Enfin, vous vous connaissez depuis 14 ans. Ah ouais? Amis d'enfance de Tunisie? Enfin, on est cousine. Vous êtes... Ouais. Ah ok. Vraie cousine ou... Ouais. Genre vos mères, elles sont non. sœurs?
Non, non, mais elles sont copines, mais c'est la même chose. Ok, vous n'êtes pas cousines. Mais chez les Arabes, on est cousins, tu vois. Ouais, ouais, avant que vous ne t'as raison. Cousine de très loin ou... Ouais, de très loin, ouais, tout à fait. Genre cousine autorisée ou... Autorisée, cousine... Non, 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 cousine de loin, c'était... C'était la cousine de mon père, son maman, c'était la cousine de mon père. Voilà, on était un petit peu la famille, quoi. C'est pas très loin, hein. Ouais, pas très loin, ouais. Qui était là, vraiment? Ah ouais, vous êtes... Rentrez à l'île Maurice. Putain, t'es frais, hein. T'as vu la diva? Attends, moi je peux? Non, 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 parce que moi vraiment, je pense que je peux mourir. Vous faites Joule? Non, je fais. Je sais pas si vous connaissez Charlene et Tino. Ça n'a rien à voir avec Joule. Non. Je n'ai pas parlé en français. You? Drink. Mm. Oui. A little bit. Un poquito. Poquito. Et vous n'avez jamais retrouvé là-bas. J'ai des filles qui arrivent qui me font des sourires. Non, non, elles sont avec non, moi. Non, c'est parce qu'on est en équipe. On travaille à trois. Non, je rigole. Calme-toi, Didier, calme-toi. Non, jamais. Très jeune, trop jeune. Mais sage, trop jeune? Non. Si, si. Je suis pour l'Irlande, moi. On a gagné. Quel rapport avec l'Algérie? Hein? Quel rapport avec l'Algérie? Il y a du vert dans le drapeau. Ok, donc toutes les équipes. Là où il y a du vert, je suis là. Quelle soirée. Hein? Mesdames et messieurs, ça n'a plus aucun sens. Bah, je demande. T'as déjà vu un Algérien écologiste? T'es italien? Ouais. Ok. Pecorino. Ok. Parmigiano. Allez, partez s'il vous plaît. Allez-y. Oh, ça y est. Ouais, ouais, ouais. Okay. Les Marocaines camériennes. Voilà. C'est pas possible, non, ça. Problème. Ah, non. Non. Très jeune, Didier. Nous deux? Mais même que ça soit jeune, hein, ça non, me non. Dit... non, moi ça me dérange. Je suis très jeune, ouais, c'est vrai. Peur. Ouais, ouais. Non, on n'est pas pareil. Ok, nickel, merci Didier. Je suis pas le mec comme ça. Pas comme ça, quoi. T'es un mec comment? Je dirais plutôt... Calme-toi, calme. Non, mais t'inquiète pas, vas-y, y a pas de problème, je peux te répondre. Non, non, tout le monde se calme, s'il vous plaît. Mais non, t'inquiète pas. Oui, je m'inquiète. Hey. Vous donnez à manger? Pardon? Vous donnez à manger aux pigeons? Oui. Incroyable, vous donnez quoi? C'est un pain au chocolat. Le vôtre? Mon petit déjeuner, ouais. Et vous le donnez aux pigeons? Oui. C'est adorable. J'adore les pigeons. Ah, ils sont dégoûtés de me revoir. Ça va? T'es énervé. Pourquoi je t'énerve? Je sais pas, je sens que t'es énervé là, t'es à cran. Tranquille, jamais, toi, on vient tranquille. Hein. Moi, jamais. On vient tranquille. Jamais. T'as ramené la police et tout, carrément. Ouais. Attends, décalez-vous, les gars. Ah, pardon, sinon. Oh là, y a une grosse arrivée? Je sais pas qui c'est, frérot. Le problème, c'est que je connais personne. Hein. C'est qui, là? Y a personne qui reconnaît. Eh, je comprends, R. La personne qui est aujourd'hui, c'est une star ou pas? Eh hey frérot, j'ai envie de retrouver Chion très vite. Attends, les flics arrivent, je pars direct, hein, je vous le dis. You have to quickly. Oui, quickly, excuse me. Hop, turn. Avant, les pigeons, c'était domestiqué. Ah ouais, à la maison? Non, ouais, bah pour délivrer des lettres et tout. Ah oui, mais il y a très longtemps. Ouais. Mais après, quand on en avait plus de 20, qu'on a développé le télégramme et tout ça, ouais. On les a jetés à la rue. On a détruit tous les pigeonniers, ouais, on les a pas respectés, les petits pigeons. Et donc du coup là, quand tu es pas sur les sites de rencontre, comment tu rencontres les gens? Je suis beaucoup trop à l'aise dans la rue. C'est vrai? Ouais. Tu parles aux gens? Ah ouais. Si y a un mec qui te plaît, tu parles à la personne? Oui. C'est vrai? Je vais dire oui, t'es mignon, je peux avoir ton Insta. Ok, direct, très agressif. Direct, beaucoup trop agressif, c'est sûrement ça. Ouais, c'est sûrement ça qui ne marche pas. C'est sûrement ça qui ne marche pas, en effet. Vous avez jamais été dessus? Non. Jamais, de la vie? J'ai jamais eu besoin. Ça, c'est une bonne fois, là. C'est-à-dire quoi? Je suis une femme de coupe. De? De coupe. C'est-à-dire quoi, de coupe? Donc je suis toujours genre... Là, t'es en couple, là? Non. Eh ben, du coup. Mais je suis sage. Ok, tu fréquentes pas de garçons? Non. Jamais? Je brosse pas à casserole. Non. D'accord. On n'a pas la même vibe. Non, on n'a pas la même vibe. C'est-à-dire, toi, tu passes à la casserole? Je comprends rien. C'est vrai? Merci beaucoup. Elle passe à la casserole, elle, ou pas? Ouais. Elle passe au chaudron. Dans la marmite. Dans la marmite. C'est vrai? Je vais pas mentir. À quelle fréquence? Mais je te regarde pas. À quelle fréquence? Excusez-moi. À quelle fréquence elle passe à la marmite? Plutôt en fin de semaine, donc j'ai... Combien? Une fois par semaine? Fin de semaine.
Là, tu vas passer à la marmite ce soir ou... Non, c'était hier. Maradona, vous faites Maradona? Non, je fais... par exemple, j'imite bien les mangas japonais. Enfin les... Ah, ça n'a rien à voir avec Maradona. Non. Allez, bisous. Ça marche, bisous. Bonne journée. Hein. Ciao Rudy. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, t'as retenu le même nom. Ah, mais moi je respecte les gens. Hein. C'est pas parce que je te frappe que moi je vais gifler, mais je sais que t'es Rudy. Hein. Turn. Ça fait combien de temps là vous leur donnez à manger? Ah, bah, à la base, je devrais être en cours. Ah, d'accord. Ouais. Vous séchez pour donner à manger aux pigeons? Oui. C'est mon anniversaire aujourd'hui. De mariage? Non, non, non. De. My birthday. Ok. J'ai 61 ans. D'accord. Le 20 septembre, c'est le jour de ma naissance. Si, si, je suis un bouffon, un vrai con, mais qu'on verra jamais le fond. Ça, c'est du slam. Oui. Du slam aussi, vous faites? Oui. C'est. Du beatbox. Ouais. Tout, vraiment, vous faites tout. Oui, je suis polyvalent. Je suis artiste polyvalent. Ok, incroyable. Et ça marche? Oui. Elle vous a fait un cadeau? Non, pas encore. J'attends. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Hein. Oh, bon. Peut-être qu'elle me donne dans la nuit. Hein. Le cadeau? Un cadeau, hein. C'est-à-dire? Un cadeau naturel. Hein. Ah. Allez, je m'en vais. Ouais, c'est mieux. Salut, hein. Allez, au revoir. Non mais ouais, que du sérieux, hein, pas les plans cul. Venez pas, je suis pas intéressé. Mais là, il y a personne qui vient déjà, donc ça va. Ni plans cul, ni sérieux. Waouh, wow, tu joues très mal tout nu, en fait. Hein. Tu jouais mieux habillé, Chion. Incroyable. Et en termes d'hygiène, c'est ça va les pigeons ou c'est... Ah oui oui, ça se lave tout le temps. Où ça? Ah dans bah, quand l'eau est disponible, ça se lave, ça se prune. Okay. Ça... C'est propre quoi. C'est propre. D'accord. Ça va? On parle des sites de rencontres. Bah les sites de rencontres c'est très bien. Tu utilises? T'as connu les types. C'est la dernière. Ah ouais, c'est la dernière des dernières. La dernière des dernières. C'est où on s'est rencontrés? On s'est rencontrés juste là-bas, là. Exactement. Vous vous rappelez ou pas? Mais évidemment, c'est je vrai me rappelle. Et puis, j'étais venu me relancer quand je suis allé chercher mon journal. C'est vrai. Hein, tout de suite, ça a été un coup de foudre amical. Un coup de foudre, un coup de foudre. Vous êtes fait apparier, les oreilles? Oui, 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 maintenant, oui. Ah oui, vraiment? Oui, ça ne fait rien. Vraiment, du la tout. Fin. Ça ne fait rien. Bah oui, ça marche pas du tout, ça. Ah, mais je suis appareillé d'ailleurs. Non, ça ira, merci. Oh, j'ai des princes? Non. Allez, on y va, on attaque le paquet de prince. Oh, c'est magnifique. Non, mais c'est du prince, tout chocolat. Ah, c'est bon, tiens, je pense qu'ils mangent du chocolat. Ok. Franchement, je pense pas que ça leur fasse du mal. Malade. Non, mais je pense, vu ce qu'ils mangent au quotidien, je pense que un prince au chocolat, c'est pas risqué. C'est plus civilisé le prince. Ouais. Nous, on parle des sites de rencontre. Des sites de rencontre, oula. Vous avez déjà fait? J'ai essayé, ça m'a profondément déprimé. Vous êtes triste? Vous êtes triste ou pas? De quoi? De fermer la librairie. Oh, bah ça, c'est. Je suis triste à la fois. Ah, je suis obligé de faire une cérémonie, Yves. Oh là là, alors ça, j'imaginais pas ça. Bah non, mais alors c'est important. Ça, hein. Et là, du coup, vous faites comment pour rencontrer Je ne rencontre pas. Ah oui, vous faites bien. Je suis pas stylé. J'aime bien. C'est très ressemblant. Non, mais comment vous faites ça? J'ai un pigeon dans le cœur. C'est fort. Non, mais comment vous faites? Faut faire un. Dans la gorge. Comment vous faites? Bah, comment on roule un R en français. Voilà, comme ça. Mais bah, plus grave. Do you ever feel like a hurricane? Something da-da-da. La 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 la. Do you ever feel like a la-la-la. J'ai toujours tendance un peu à les shooter comme ça quand ils viennent. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont peur des humains. Ouais. Parce qu'à la base, ils nous aiment, on les a nourris, on les a. Faut que je mets des gros coups de pied, tu sais. Ouais. Et maintenant, ils sont sur la rue. Après, c'est quand même dégueulasse, hein. Les pigeons, en général, c'est dégueulasse, je trouve, quand même. Oh non. À Paris, il y a plus de chance, je pense. Peut-être, mais. Maintenant, je pense pouvoir dire que je m'en fous. On s'en bat les couilles, quoi. Ah, mais vraiment, mais je pense que j'en suis à un niveau où vraiment maintenant,
je m'en... vulgairement, je m'en branle totalement. Vraiment. Là, c'est encore pire, je pense que vous allez encore moins trouver. Hein. C'est peut-être ah, c'est... concrètement, oui, certainement. Si l'attitude est comme ça, ouais, c'est catastrophique. Mais c'est pas plus mal. Hein. Tu veux la blanche ou bien la verte? En combien de temps tu vas le faire? Tu veux un temps, ok. Ok. Boum boum. Mais non. Ok, là. Sale comme la, chatane Nicki Minaj. Vous allez pas l'ouvrir quand même. Ah si, on va vraiment faire une cérémonie, Yves. Et me mettre dedans? Bien sûr. Non. Bah si. Ah ben faut le mettre par terre pour que je grimpe dedans. Vous voulez vous mettre dedans? Parce que de base, on voulait mettre les livres, mais si vous voulez vous mettre dedans, on peut. Ah, mais allez, je me suis dit, c'est pas bête, les livres. C'est mieux les livres, non? Ah oui, c'est mieux. C'est plus parce bien. Que vous mettre dedans, si ça nous met l'œil et que vous mourrez vraiment pendant la séquence, on peut pas la diffuser. Ah ouais, ouais, ouais. Donc on va vous entretenir encore en vie quelques jours. Hein. Ah, ouais. J'essaye de lire quelques trucs qui peuvent m'intéresser, plus ou moins. Qui peuvent aider. On va dire que j'aimerais bien pouvoir m'attaquer à l'Odyssée d'Homère de manière générale. L'Odyssée d'Homère, mais c'est. On va dire. Si on se lance dedans, il faut vraiment avoir envie de le lire. Hein. C'est, ça se lit pas, ça se lit pas facilement. Je l'ai lu, ça met du temps. Ouais. J'en suis sûr. Ouais. Dans le livre des liaisons dangereuses, bien sûr, il est passé. Ils l'ont fait en film, ils l'ont adapté en film. Là, à un moment donné, il écrit à sa maîtresse sur les fesses d'une autre maîtresse. Sur les fesses? Oui, sur les fesses. Et il écrit que c'est la première fois qu'on écrit depuis un endroit pareil, ainsi de suite. Et y a un double sens qui est génial, qui est assez génial. Mais il l'envoie comment la lettre? Comment on l'envoie au 18e siècle, j'en sais rien. Mais c'est l'écrit sur ses fesses. Ah, mais il écrit avec un papier. Plus, sur ce... un papier. Ok, j'ai rien compris. J'avais visualisé qu'il écrivait sur ses fesses, vraiment. Oui, je trouve ça dégueulasse d'ailleurs. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Chion, remets-toi dans une position normale, s'il te plaît. S'il te plaît, Chion. Chion, debout, s'il te plaît. C'est dégueulasse. Allez, Chion, redresse-toi. Déconne pas, merci. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, moi, Chion. Je prépare un petit discours. Oui, alors, oh, ça va être bien, le discours. Ah, t'as besoin de lunettes pour lui. Et ta mère. Alors, pas le jour de l'enterrement, s'il vous plaît. La danse va pas avec la chanson. Hein. Non, Hugo. Hein? J'appelle Hugo, toi. Comment? Hugo, j'appelle. Ah, Loris. Hugo, Loris. Big Wayne. Pas mal, hein. Yves, je me revois encore en ce doux matin de novembre 2018, errer dans les rues de Châtelet, le micro tendu vers l'inconnu et les yeux tournés vers cette vitrine si peu attrayante. Il y a que des compliments quand il C'est à ce moment-là que nos regards se sont croisés, que nos premiers mots nous avons échangé. Il y a de ces sentiments qui ne s'expliquent pas, comme une évidence, ma vie prendra tout son sens. Puis un jour, à force de nos rencontres, le privilège vous m'avez offert, la chance vous m'avez accordé, de pénétrer dans cette boutique resplendissante. Librairie, pas une boutique. Dans cette librairie resplendissante. La boutique, c'est vendre des légumes, des chaussures et tout ça. Dans cette librairie resplendissante. Un lieu à votre image, désagréable, sombre et mal foutu. Et depuis ce jour, je suis bien obligé de le reconnaître, mon destin a basculé. Ma route, j'ai trouvé. Oh, ça c'est beau. Ouais, plus haut. Non, catastrophique. Catastrophique. Un visionnaire au génie incompris, d'une bienveillance sans limite. Entre finesse, élégance et clairvoyance, je ne cesserai pendant toutes ces années de m'imprégner de votre talent. Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Et à défaut de vous mettre dans le cercueil aujourd'hui, ce sont vos livres, tous trop chers et poussiéreux, que nous mettons dans ce dernier. Plus que jamais, votre temps est compté, Yves. Alors profitons de cette pièce très mal aérée une dernière fois et célébrons la fermeture de cette librairie qui, je suis sûr, ne manquera à personne. Bah... Vous avez des trucs pour moi que je peux faire avec vous? Hein? Vous en avez pour moi pour que je fasse non, avec vous? Non, il n'y en a pas, monsieur. Laisse-nous danser, on est pressé. Je suis très ému. Ah bah moi aussi, on est ébus. Hein. C'est vraiment le cœur serré que j'arrête cette aventure avec vous. Moi, bah oui, quelle aventure.
Voilà. Allez, on aura. Bon, merci beaucoup. Bien. Mais tu sais, je vais survivre sans doute à beaucoup de gens. Hein. Mais pas à moi. Ah, peut-être, on sait jamais. Je ne pense pas. Il n'y en a pas de temps. Comment? Nous, il n'y en a pas de temps. Nous, voilà, vous n'avez pas de temps? Si, je pense que vous avez non, du temps. Non, pas attends, excuse-moi, parce qu'on doit répéter. Allez-y, allez-y, allez-y. Je regarde. Après travailler. Pas de problème. Ne vous énervez pas, je regarde juste. Après. C'est opéra chinois, d'accord. C'est vrai que ça a l'air assez approximatif, là. Ils m'ont envoyé dans un endroit, j'étais obligé de traverser tout Saint-Ouen à pied parce qu'il n'y a pas de taxi ni rien. Je suis arrivé évidemment à la fin de la librairie, de l'enterrement. Et je vous raconte plus. Oh. Ouais. Happy day, oh happy day, oh happy day. You want the world for you, oh happy day. Hein? Vous avez sauté des mots, hein? Ouais, non? C'est pas grave, c'est... Ça remixe. Ouais. Vous êtes ému? Ouais. Pleurez. Ouais, je pleure pas, mais... Pleurez. C'est mieux si vous pleurez. Comment vous appelez, madame? Pourquoi vous voulez tout savoir? Bah comme ça, on... Tout savoir. 30 septembre, à Belleville, il y a un grand spectacle. Nickel. Il y a le dragon qui voit. Après, il y a gastronomie chinois. C'est une fête des Chinois, d'accord? Et bah on sera là. Bon, un petit dernier mot pour les sites de rencontre, l'amour, Paris, Fashion Week. L'amour. Les sites de rencontre. Attends, quand je mets le micro à droite, et... après je le mettrai à gauche. Donc l'amour, suivez votre cœur, mais aussi pas trop votre cœur, aussi très bien votre tête, parce que si tu penses avec ton cœur, tu te fais briser le cœur, donc bien penser avec la tête, même si tu as envie de d'autres choses. Et c'est ça, bisous. C'est précis, hein. Et l'intuition, vraiment, ne trompe jamais. Si un jour vous avez un doute sur le fait qu'on vous trompe, suivez votre intuition, parce que c'est le cas. D'accord, ok. C'est good vibes ici. Ah ouais. Toi, t'as le cœur brisé en fait, c'est ça? Non, pas du tout, je le vis hyper bien. Non, la vie de ma mère, je suis trop heureuse. T'es heureuse là? Je suis très heureuse dans ma vie, moi. Ok. Donc voilà. Tout le monde s'en fout, on préfère lire, s'en fout. Vive tout tu. T'as rien vendu, délivré plus. Vous voulez que je tienne l'enceinte pour la mettre plus. Non, ou... s'il vous plaît, monsieur. Pardon. Nous, on a besoin ici de danser. Vous, ok, assis là. Là, assis là, d'accord. S'il vous plaît. Très strict, d'accord. Parce qu'on a besoin de danse. Pas de problème, je m'assois là. Hein. Je reste là. Hein. Très très strict. Ah ouais, non, je vais pas dire adieu à moi. Hein? Je dis pas adieu à moi. Si, si, on dit adieu là. Allez-y, venez, Yvan. Là-bas en plus? Oh non, mais là c'est trop strict, c'est trop strict. Il n'en faudrait pas qu'on me carte les bouquins derrière là. Non mais personne ne les veut depuis des années. Hein. C'est vrai. On se dit au revoir? Au revoir. Bon, merci beaucoup. Non, pas serrer les mains, je parle de temps. Je regarde moi comment serrer. Allez, s'il vous plaît, allez. Au revoir, madame. Oui, au revoir. Là, pas le temps.
On n'a pas le temps, monsieur. On ne peut pas serrer. Regarde, wow. C'est ça. On ne peut pas serrer. Ok. Non, je comprends tout à fait. Hein. Yves, on dit un dernier adieu. Adieu, bientôt. À bientôt, là-haut. Avec Loris, on recommencera. Là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà. Allez, ils reviennent avec le cercueil. Et les livres, ils vont me ramener quand même, les livres. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, putain, j'avais pas vu. Incroyable, non? Putain, j'avais pas vu. Ah bah, c'est magnifique, non? C'est magnifique. Pour terminer en beauté. Ah oui. Une publicité. Ah, c'est bien. Vous savez pourquoi c'est ou pas? Non. C'est pour le site de rencontre à peine. Ah, c'est vous bien. Vous souvenez d'Appen? Oui, à peine, oui, on avait fait un truc. Ben voilà. Ouais. Et ben là, c'est la consécration. Et tu pourras m'avoir une affiche pour moi? Bien sûr, on est en affichage dans tout Paris, là. Ah bon? Ouais, et vous n'avez pas touché un rond. Ben non, c'est comme d'habitude. Je touche jamais rien. En fait, le modèle économique de notre collaboration était parfait. Hein. Ah bah, c'est, c'était magnifique, t'as franchement. T'as remarqué. Bah, une seule rémunération en 5 ans, j'ai adoré. Hein. Ah si, non, tu m'as... Vous êtes vraiment de gauche, vous, en fait. Hein. C'est vrai, hein. Un vrai socialiste. Je partage. Moi. Mais non, mais non, vous n'avez même pas. Vous n'avez même pas à partager, on vous donne rien. En tout cas, merci, on a plus... Non, on reste ensemble. En tant qu'humoriste, ici. Ah, une fin, quoi. Merci. Merci. Il faut applaudir, bien sûr, le présentateur, le camaraman. Et le mec de... Non, tout le monde. Voilà, tout le monde, là, merci. Direct. Ah, et écoute-toi, j'ai sommeil. Oui, c'est la suite, il faut une chute. On ne rend pas la violence par la violence. Jamais. On n'a pas le droit de tuer les gens. Ah ouais, ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Ouais, il faut le retenir.